C'est un groupe tunisien qui opère dans plusieurs acteurs en Tunisie, plusieurs secteurs, notamment en marketing, en digital, en communication, en journalisme, en commerce international, dans le textile, dans l'huile d'olive et dans le plastique. Le groupe qui est arrivé avec nous opère dans plusieurs secteurs, aussi dans les cuisines, la manufacture de cuisine, l'acier, la peinture, l'architecture et les bureaux d'études. Notre objectif de la visite, c'est de renforcer la coopération tuniso-béninoise et d'améliorer les relations pour avoir des investissements massifs de la part des entrepreneurs tunisiens au Bénin et de faire de réels partenariats entre des hommes d'affaires tunisiens et béninois pour créer des projets qui auront un impact économique et social et améliorant les échanges économiques entre les deux pays. On remercie Monsieur le Président pour son accueil, pour son invitation, et on salue aussi l'accepter une proposition qu'on crée une association d'amitié tuniso-béninoise. Et nous avons proposé de faire un programme pour inviter des jeunes béninois de venir faire des visites sur place en Tunisie et découvrir le modèle tunisien, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau du sport, du développement et de l'éducation, de la santé et les nouvelles technologies qu'aujourd'hui qui émergent énormément en Tunisie à travers un entrepreneuriat jeune.